Mon chum s'en va faire un petit travail de vélo avec Amélia. Pendant que moi, je vais ranger la maison. On est de retour de notre voyage depuis hier, en fin de journée. Parce que quand on est revenu de notre voyage, hier, je vous ai filmé notre voyage. On est retourné. Dans le fond, je lui dis, on est parti de notre campement, on est allé faire un tour à lac Etchemin et chemin. On est allé faire un tour entre-temps, pendant le voyage, on est allé porter bébé chez ma mère au camping. La roulotte est à 1h56 minutes. Dans le fond, où on était, après, parce qu'on s'est promené, on était comme pas loin de Saint-Fabien-Panay, Montmagny, dans les terres de Montmagny. Parce que, fait que là, on est allé porter ma mère. On est allé porter ma fille au camping à ma mère. Parce que le camping à Dantel, c'est une super de belle place. Mais c'est un petit peu trop de gestion pour les enfants de bas âge. Samélia, elle aurait 5 ans et plus, arrêtez moi un peu. Mais elle était la plupart du temps dans nos bras. Puis parce que vous allez voir dans le vlog que où est-ce qu'on couche, elle donne sur le lac. Le lac est baignable. Mais elle peut se noyer à tout moment. Fait que c'est pour ça que c'était quand même dangereux. Fait que c'était dur de gérer un enfant de bas âge comme Amélia. Puis le chien il était au paradis. Fait que je n'avais pas besoin de s'en occuper du chien. Il va être libre de courir sur le terrain. Hein. C'est ça, mais on est allé porter. On a fait une journée en famille, une journée avec bébé. C'est un bon compromis. Vous allez voir, j'ai quand même bien filmé. J'ai pas filmé partout où on allait, mais quand même une bonne. Une bonne partie. Je suis en train de faire le montage, justement. Et là, aujourd'hui, c'est opération ménage, démêlage, rangage. On range, on clean. C'est ça. Fait que jeudi, on est revenu chercher Amélia. On a couché une nuit au camping de mes parents. Dans le condo. Dans leur condo, ben c'est une tente, une grosse tente. Moi, j'ai dormi dans la tente avec Amélia. Papa a monté sa propre tente avec Benji. Puis les autres ont couché dans la tente. Parce que Nick et mon beau-père, ils faisaient fumer du saumon aujourd'hui. Ben, toute la petite famille est montée. Fait qu'on a pu les voir avant de partir. Mais je suis pas parlé avec la sienne matin. Bonne Saint-Jean à tous! Hier, on est allé voir le spectacle sur les plaines. C'était plate à mort. Mais on avait réservé la petite gardienne pour la tester encore une fois. On est revenu à la maison, il était 4 heures. On a préparé le souper. Mon chum est allé à l'épicerie acheter quelques petites choses. On a profité parce que l'épicerie est fermée aujourd'hui. Il y a quelques épiceries qui sont ouvertes. Mais quelques.
Mais je peux vous dire que j'ai vraiment passé de très belles vacances. Et je peux vous dire que maintenant, je suis officiellement à 20 semaines de grossesse. C'est cette semaine qu'on va apprendre le sexe. Avez-vous aussi hâte que moi? Moi, j'ai hâte. Il me reste une seule pastille de la dessert. Puis aussi, entre-temps, pendant mon voyage, je suis allée voir sur le site de la CNSST si j'avais eu des nouvelles pour ma CNSST. Toujours pas de nouvelles, fait que pour l'instant, j'ai pas d'argent qui rentre, c'est fun. Le dossier n'est même pas traité encore. Fait que j'ai fait une demande de panier d'aide alimentaire pour le mois de juillet. Ça va au 6. Un soir, je ne sais pas encore ce qu'on va manger pour souper. Je sais juste que je vais aller terminer au moins le montage du vlog. Au moins. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que mon chien est brûlé d'aide. Il est vraiment fatigué. Quand mon chien il fait brûler, là. Je n'ai pas été voir ma poste encore. Donc, j'ai pas eu le temps vraiment depuis hier d'y aller. On est arrivé ici, j'ai pris ma douche parce que j'avais chaud. Ben, il faisait quand même pas mal chaud hier, t'es enceinte, mais on dirait que vous devez savoir, vous autres les mamans aussi, qu'enceinte, on a plus de flux sanguin. Bon! J'ai ça, moi, quand mon îlot, il est vieux. Ces petits plats-là, c'est la vie. C'est aussi bon pour... comme le matin pour déjeuner, j'ai fait des pains dorés. J'avais quand même bien fait de ménage avant de partir. Ça l'a bien aidé. Fait que moi, je vais vous laisser là-dessus, je vais m'avancer un peu dans mes trucs en écoutant des petites vidéos parce que j'ai du retard à prendre avec tellement mom puis YouTube. Puis on va se reparler un peu plus tard la gang. Ciao! Voici ma petite salade. J'ai mis laitue, pêche, mangue, tomate, échalote, fromage cracker, beurre fumé, puis de la laitue. C'est les poivres et la laitue que j'avais. J'ai été avec les légumes que j'avais.
j'ai des tomates. Fait que moi, je vais aller continuer de faire le montage. J'ai tout cleané ma table ici. Ma table aussi ici est quasiment clinée. J'ai arrosé les plantes. Je voulais faire du macaroni, mais j'ai plus de macaroni. Mon lave-vaisselle est rempli. Ça, c'est fait. J'ai fermé la porte du solarium parce qu'hier, regardez comment il fait. Dehors, dans le solarium. Il annonce 28 ressentis, 35 aujourd'hui. Fait qu'on va rester à l'intérieur. J'ai déjà chaud. Je suis au coton. Je me souhaite un petit verre d'aliménage. Je vais faire du montage. Puis après ça, avant que Marie-Claire arrive, je vais peut-être aller faire un petit tour en bas. J'ai starté une brassée de lavage aussi. Fait qu'après ça, je vais continuer les vêtements. Je vais voir, puis demain, on va aller faire l'épicerie parce que on va acheter ce qui manque. Mais là, tout est fermé aujourd'hui à cause de la Saint-Jean. Fait que on se parle plus tard, les filles. Bye la gang!